Navigatrice et navigateur du web, bonjour et bienvenue sur Petits Trucs et Astuces PC. Il arrive qu'au bout d'un certain temps, que les impressions couleurs sortent à moitié effectuées ou plutôt médiocres. Ce n'est pas la faute de l'imprimante, ni même des toners, qui pourraient être éventuellement vides, c'est tout simplement les rampes LED ou diodes électroluminescentes qu'il faut nettoyer et effectuer aussi un calibrage du toner. La densité en sortie pour chaque couleur peut varier selon l'environnement de la machine, comme la température et l'humidité. Le calibrage aide à améliorer la densité de couleur et par concomitance, la qualité d'impression en sortie. Dans un premier temps, effectuez une première page test pour pouvoir la comparer à la deuxième. Par suite, éteignez votre imprimante et la laissez se refroidir. Une fois passé ce laps de temps, vous pouvez entreprendre le nettoyage des LED, puis le calibrage des toners. Voici comment procéder. Commençons par l'impression de la page test 1. Utilisez de préférence une image aux couleurs bien vives. L'impression de la page test 1 est terminée. Laissez refroidir votre imprimante, puis une fois passé ce laps de temps, vous pouvez ouvrir le capot frontal de votre imprimante pour pouvoir accéder aux rampes LED. Les rampes LED se situent au-dessus des toners. Attention à ne pas toucher avec les doigts, utilisez pour le nettoyage un chiffon propre, sec et non pelucheux, sans ajout de produit de quoi que ce soit. Passez le chiffon sans forcer, tout doucement. Une fois effectué, refermez le capot et démarrez votre imprimante. Nous allons procéder maintenant à l'étalonnage des toners et pour ce faire, appuyez sur Menu. Puis à l'aide du curseur bas, sélectionnez Imprimante. Entrez maintenant dans la configuration imprimante à l'aide du curseur droit. Puis à l'aide du curseur bas, sélectionnez étalonnage. Sélectionnez à l'aide du curseur droit, puis réappuyez une deuxième fois. Puis sélectionnez 1 sur le pavé numérique. Le processus est terminé. Nous pouvons désormais procéder à l'impression de la page test 2.
cas, je n'ai pas trop de soucis d'impression, mais j'aperçois une différenciation dans la netteté d'impression. Cette vidéo est terminée, merci de l'avoir regardée. Je compte sur vous pour la partager sur vos réseaux sociaux. Laissez un like et un commentaire pour soutenir mon travail. Vous pouvez aussi me soutenir via le lien PayPal dans la description. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et d'activer la notification afin d'être alerté sur les dernières vidéos mises en ligne. Navigatrice et navigateur du web, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.